grâce me suffit, comble mes besoins, Jésus. J'ai confiance en ta parole, j'espère en toi. Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Seigneur, je viens t'adorer. Ta présence en moi, Jésus. En moi, Jésus, ta parole illumine mon sentier. Je suis restauré. Je suis racheté.
Est-ce qu'on peut lever la voix, commencer à l'adorer? La parole nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons comme nous sommes pour nous aimer et donner sa vie. C'est par amour qu'il a donné sa vie. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait ses propres voies. Nous étions tous perdus, mais il a plu à l'Éternel de porter sur lui-même l'iniquité de chacun d'entre nous. Jésus est mort pour toi et moi. Par amour, à la croix, il a payé le prix. Nous ne voulons pas prendre le sacrifice de la croix en vain. Il a donné sa vie à la croix. Il a payé chacune de ses souffrances, chacune de ses blessures. C'était pour notre guérison, c'était pour notre salut. Il a porté cette couronne d'épines afin que nous ayons la victoire dans nos pensées, dans les oppressions de l'ennemi. Et nous voulons bénir ton nom, Jésus. Merci d'avoir payé le prix. Merci d'avoir payé le prix, Jésus. Merci d'avoir payé le prix, Jésus. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente